What's up, gentlemen? J'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, les amis, on est sur le pire serveur PVP faction du moment. Faction, les amis. Et oui, parce que la dernière fois que j'ai dit que c'était le meilleur serveur, tout le monde m'a insulté, les amis. Ils m'ont dit, ouais, t'es trop nul, Icon. Tu vas dire c'est le meilleur. Non, non. Donc, plein de gens m'ont insulté. Donc, depuis, j'ai vraiment, vraiment de la peine. Donc, c'est vraiment pas gentil de m'intimider, les amis. Vous allez devoir tous vous mettre un commentaire. Je m'excuse, Icon. Merci. Donc, maintenant, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, vous avez sûrement dû voir le titre. Vous avez dit, genre, what, la fin de K-Faction, la fin d'une époque, là, là, là. Vous êtes sûrement en train de vous poser plein de questions dans votre tête. Et oui. Donc, premièrement, on va répondre à la question la plus pertinente. Non, c'est pas la fin de K-Faction, les amis. C'est plutôt le commencement. Encore une fois, vous savez sûrement, ou si vous ne savez pas, Nuklus a décidé de quitter le projet suite à des, un manque de motivation et aussi à cause qu'il y a des études, etc. Il n'y avait plus trop le temps. Mais la grosse partie, c'est surtout parce qu'il y a un serveur que je nommerai pas bien sûr, nous ont foutu de la pression. Donc vu qu'on a un peu, je dirais pas plagiat, mais on a utilisé un peu leur idée et on l'a réinventé. Donc pour ça, ils nous ont un peu foutu la pression. Enfin, surtout à Nuklus en fait. Ils ont foutu la pression à Nuklus et Nuklus a juste paniqué, a décidé de quitter le staff. Donc maintenant, je me retrouve le seul et unique fondateur. Et puis, ben, je vais sûrement recruter des. Je vais sûrement continuer et refaire le staff, vu que vous savez, les amis, le staff, il est pas super. Ben, il y avait des gens qui sont. Il y a quand même des gens qui sont super compétents, mais il y en a d'autres qui sont un peu incompétents. Et je vais essayer de revoir le staff de A à Z, vraiment de reconstruire une bonne équipe autour. Hey, autour de Elux, donc le développeur qui s'occupe des plugins, et Mosca, donc le développeur launcher. Donc ça va être nous trois qui va vraiment être. Moi, je vais être fondateur, eux, ils vont être administrateur/slash développeur. Et ensuite, on va refaire l'équipe d'administration, donc ceux qui vont s'occuper de vos problèmes in-game, ceux qui vont s'occuper des recrutements guides, etc. On va vraiment tout revoir, vraiment, pour vous proposer un meilleur serveur dans le futur. Donc, ces changements vont commencer à partir de ce week-end, donc le 26, 27, 28. Ce week-end-ci, il va commencer à avoir des renvois de staff, il va commencer à avoir des nouvelles, des nouveaux recrutements. Donc, il y a peut-être 2, 3, 4 peut-être nouveaux guides qui vont être là. Vous avez encore quelques mois pour la version de K-Faction encore, donc on aura toujours besoin d'aide, quoi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont quitté dernièrement le staff parce qu'ils ont justement été joués sur d'autres serveurs. Et ce qui est totalement comprenable, les amis. Je vous en veux pas. Moi aussi, j'aimerais ça. J'aimerais ça que K-Faction soit à zéro en ce moment. Je veux dire qu'il y ait une meilleure économie, qu'il y ait des trucs qu'on fasse différemment. Mais il faut se dire que le serveur est ouvert depuis janvier. Donc depuis janvier, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est sûr que l'économie est un peu pétée. C'est sûr que si on va sur un nouveau serveur, comme Vanadia, que le serveur est ouvert il y a 2 semaines, c'est sûr que nous, après 2 semaines, je me souviens qu'il y avait personne qui avait dépassé les 150 000, hein. Si vous vous souvenez, ceux qui ont joué à la tout début de la version 2, vous le savez, c'était hyper difficile d'avoir de la monnaie et tout. Donc voilà, c'est sûr que l'économie avance, etc. Et puis on a vraiment eu, on a vraiment passé du vraiment bon temps depuis janvier, les amis. Je vous dis franchement, on a eu quoi, 20 000 personnes. Je savais même pas, je viens juste de découvrir en même temps que vous. 20 111 personnes différentes qui se sont connectées au launcher. Ça, c'est vraiment incroyable, les amis, mais vraiment incroyable. 20 000 personnes, et puis on approche la barre des 50 000 inscrits sur le site. Hey, c'est juste un truc de malade, mais vraiment, je vous remercie sincèrement du plus profond de mon cœur. Même si vous avez quitté K-Faction et vous écoutez pas sûrement pas cette vidéo-là, merci du plus profond de mon cœur de tout ce que vous avez apporté à mon serveur durant cette... cette version. Je parle comme si c'était terminé, mais c'est pas encore terminé, les amis. On va commencer à travailler sur notre version 3 ben, dans un mois à peu près. Donc, la version va sortir peut-être dans 2, 3, peut-être 3 mois. Je sais vraiment pas dans quand est-ce qu'elle va sortir, mais on va commencer à travailler dessus. Je vais juste vous dire là-dessus. Donc, dites-moi dans les commentaires, les amis, vraiment ce que vous avez apprécié le plus sur cette version-ci. Donc, vous pouvez me dire, exemple, ouais, moi j'ai vraiment aimé l'ajout des buissons, j'ai vraiment aimé le système de gemmes, j'ai vraiment aimé le PVP, j'aimerais que la warzone soit plus grande. Dites-moi vraiment des trucs que vous voulez voir dans le futur sur K-Faction, sur mon projet, les amis. Et puis moi, je vais y réfléchir, je vais y penser, je vais voir avec l'équipe de développement, l'équipe de admin, et puis on va vraiment prendre les meilleures décisions, je l'espère, du moins pour le serveur. Donc vous devez aussi donner vos idées, parce que si vous donnez pas d'idées, ben il y aura rien qui va se passer, vous comprenez. Vous êtes une grosse partie de notre succès et on veut vous inclure pour cette future aventure. Dans le fond, on veut vous inclure dedans et on veut prendre vos idées, prendre vos trucs que vous voulez, quoi. On veut vraiment
se mettre à votre goût, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Donc, donnez vraiment vos suggestions dans les commentaires. Et puis voilà, je voulais juste vous annoncer tout ça aujourd'hui, comme quoi que nous avons perdu Noclus, qui était là depuis 2015, si je me souviens pas. Ouais, 2015, on a ouvert en 2015, moi et lui, K-Faction. On s'était disputé, on avait fermé le serveur. Et puis ensuite, on aurait décidé de rouvrir en fin début 2017. Et là, enfin, on est en début 2018. Enfin, voilà, quoi, vous avez compris, je suis un peu perdu dans les temps. Mais vous avez compris, les amis, et j'espère franchement que vous allez être chaud encore à venir sur K-Faction. On va encore proposer des mises à jour. Comme vous savez, il nous reste encore deux grosses mises à jour, vu qu'on est à la 2.8. Et il nous reste deux mises à jour avant de tomber à la version 3. Sur ce, pour parler de la mise à jour, je voulais vous dire que les métiers, les jobs ou compétences, comme vous voulez les appeler, ça a été bien apprécié, sauf par, comme je dis, un serveur. Donc, à part ça, ça a bien été apprécié. Les récompenses, les nouveaux stuff, etc. ont été rajoutés. Donc, je vais vous montrer vite fait le craft. Bon, ils ont pas tous encore, on n'a pas eu encore le temps de rajouter tout ce qu'on voulait, vu qu'on a été beaucoup occupé, comme je dis, avec le départ de Noclus. On a dû transférer des machines, etc. Mais on a rajouté le craft des trucs. Donc, si vous voulez crafter les trucs et vous êtes crafter niveau 20, vous pouvez maintenant, vu qu'il y en a beaucoup qui l'étaient, vous pouvez crafter maintenant tout ça, ainsi que l'épée, si vous avez le bûcheron et l'épée, si vous êtes guerrier, bien sûr. Mais en gros, maintenant, vous pouvez les crafter. Bon, ils n'ont pas d'effet encore, ils n'ont pas les effets, etc. Mais vous pouvez quand même mettre les gemmes dessus, les enchanter, etc. Et vous allez, dans le futur, obtenir les trucs. On va travailler sur ça ce week-end, je veux dire, pour pouvoir le sortir la semaine prochaine. Comme je vous dis, on a eu beaucoup de changements dans le staff. Avec Noclus, le départ de Noclus, on a dû changer toutes les machines à mon nom. On a dû faire plein d'autres modifications, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, mais je vous promets qu'on se remette au boulot dès la fin du week-end pour pouvoir vous proposer ces nouveautés qu'on vous a promis la semaine passée. Sur ce, c'était Icons. J'espère que vous avez passé un excellent temps avec moi. Je vous aime. Bye bye.